C'est une histoire qui dure... On a fêté nos 10 ans il y a deux ans. Il y a deux ans, et la soirée était un peu inoubliable quand même. C'est-à-dire que ça a été... C'est sympa. C'était suspendu dans le temps, c'était magique. Je crois qu'on a des images exclusives de ce moment de rêve suspendu dans le temps. Regardez. Ça passe ou ça casse là. Il voulait pas ce enfoiré, ce cabré. Moi je trouve qu'il s'est quand même pas mal cabré. Ouais. C'est quoi le secret de votre longévité, Johnny et Laetitia? Bah d'abord, il a sauvé mon âme et puis il m'a appris à m'aimer. Parce que c'est vrai que je crois que quand on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres. Donc là, il a déjà fait beaucoup de choses quand il m'a dit « je t'aime » pour la première fois. Et puis j'ai appris aussi à respecter ses silences, à respecter ses peurs, ses doutes, ses démons. Et à partir de là, c'est vrai que quand on commence à apprivoiser ces blessures-là, surtout quelqu'un comme Johnny qui a vécu mille vies et qui a un passé et une enfance assez lourde, dans un couple, c'est pas facile de trouver sa place dans cette vie-là. Moi, j'ai essayé de trouver ma place et je pense qu'on s'est aussi construit dans les épreuves qu'on a traversées tous les deux. Et de toute façon, je pense que dans la vie de deux êtres qui s'aiment, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est ce qui permet à la vie d'avoir une saveur différente.